Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue aujourd'hui sur ma chaîne pour suivre le SEA MDL saison 30, toujours avec Team Vitality qu'on va suivre aujourd'hui. Trois rencontres au programme pour les suivre, à chaque fois ce sera sur Dust 2, et un programme assez varié, hein. Pas de 100% allemand comme hier. On commence dans quelques instants face à Epsilon, une équipe européenne très cosmopolite avec un anglais, un néerlandais, un bulgare, un allemand et un estonien, que je dise pas ici, non un letton. Un letton, autant pour moi, des pays des Balkans. Donc voilà, le 5 que vont affronter les Vitality. Ensuite, à partir de 17h, ce sera contre Spirit. Et à 18h, contre Sprout, les Allemands. Ça commence dans quelques secondes. Le temps de parler eh bien, des maps qui seront 3 fois de ce 2. Donc on aura bien le temps d'analyser le jeu de Vitality sur cette map. Ça va commencer bientôt face aux Epsilon qui ne sont pas à sous-estimer. Hein. On peut avoir l'impression qu'on n'a pas trop entendu parler d'eux récemment. C'est un nom qui est connu en France, mais au niveau européen, pas encore vraiment plus que ça. Ils ont eu des résultats un petit peu en dents de scie, des changements récemment. Et au final, sur cette MDL, ils s'en sortent plutôt pas mal. Ils en sont 3e au classement, 12 victoires pour seulement 3 défaites. Il y a vraiment donc quelque chose à faire pour les Epsilon, pour les sécuriser les playoffs qui sont peut-être déjà sécurisés. J'ai pas le calcul en tête. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça va commencer très rapidement entre les deux équipes après quelques petites minutes de retard. Mais bon, on est sur CSGO, on a l'habitude sur les débuts de match qui commencent jamais vraiment tout pile à l'heure. On le sait bien. Et donc, c'est Epsilon qui ont fait le choix de commencer sur le site CT, à moins que Vitality ait remporté le Knife Round. On n'a pas pu suivre, en tout cas. Ce qui est sûr, c'est que le match va commencer entre les deux équipes. Vitality, eux, sont à l'attaque pour débuter avec Apex qui aura du stuff accompagné par Zero. De l'autre côté, Epsilon. Le stuff, ce sera surréal, seulement deux flashs et l'attaque de la longue à venir. Immédiatement, dans ce premier temps, il y aura contact puisque Kito, la bonne ligne, est complètement blanc, il ne pourra rien faire. Il se fera éliminer par Apex. Ça va déclencher là aussi sur Crucial. Le néerlandais va réagir, prenant la tête de NBK et on va temporiser quelque peu pour les Vitality. On va pas partir tout de suite à l'abordage sur ce BP. C'était un simple travail de zone. On prend l'espace et on vient après se replacer sur le reste de la map. Pour essayer d'avoir peut-être un pistol round inscrit dès le début. On a vu hier sur 2-2, c'était très bien passé face à Unicorn of Love. Après, le niveau était sûrement un peu moins fort. Et ça a dû jouer. Allez, Crucial pour reprendre la zone, parfaitement exécuté. Il va nettoyer la langue, mais c'est sur la short qu'on est en train d'accélérer. RPK en première ligne pour essayer de libérer un petit peu d'espace sur ce bomb site. On va même pas aller chercher plan, on va juste planter la bombe à 3 contre 4. Et maintenant, la défense de celle-ci qui doit s'amorcer. RPK qui reprend un tout petit peu d'espace. La bonne ligne cassée, ça va passer avec le Glock. Directement la tête qui s'envole de Crucial. On continue. Zero qui saute sur les caisses. Et Zero double kill avant de tomber sur Real qui révèle sa position. Le joueur anglais peut-être pour venir terminer. On lui saute dessus. RPK. Pour confirmer le gain du round pour les Vitality avec un pistol round acquis à leur cause. Ils ont bien travaillé sur Dust 2 de ce côté-là avec l'appel long pour repartir ensuite sur la short. Ça s'est très bien passé avec bien sûr un petit coup de skill de la part de Zero. Parfaitement bien exécuté sur ce BPA. Pour les Epsilon, ce sera One Man Army. On tente de tout pour le tout sur cette avancée au mid. On est très nombreux. Attention, les plus de 150, ça fait des ravages. NBK y arrive pour réagir. C'est efficace. Attention, dans le dos, il y a un joueur qui s'est infiltré. Il est éliminé. Il ne reste plus que Brocky avec le scout dans ses mains. La tête de RPK qui s'envole. Il n'y aura pas d'autre pour lui. On a tenté d'aller chercher dans le middle l'agression pour surprendre. Ça a fonctionné. Hein. Ils ont un joueur qui est tombé. Ensuite, avec le défaut des armes, c'était trop compliqué d'aller chercher plus que ça pour les Epsilon. Ce sont donc les Vitality qui assurent le gain après ce pistol round. Pouvoir partir sur un round d'armée qui est clairement, au niveau des armes, à l'avantage hein, des Epsilon. Round bonus pour les Vitality avec deux UMP, une Galil, une AK-47 et un Scout. C'est pas forcément les meilleures armes qu'on peut avoir, mais on peut avoir de très belles choses avec. À voir comment est-ce qu'ils vont gérer tout ça. Pour l'instant, on contrôle map avec quand même la prise de la short, d'ores et déjà assurée par Alex. Alors que ses coéquipiers pour l'instant sont en contrôle reculé. Hein. Pas de prise pour l'instant avancée au niveau du B ni au niveau de la longue. Mais peut-être que c'est sur la longue que ça va se jouer. On le voit sur la mini-map, c'est en train de se rediriger sur cette zone. Deux joueurs seulement pour l'OA, peut-être le bon choix.
pour les Vitality d'aller retravailler dans cette zone. La flash pour permettre aux joueurs dans le sas de sortir immédiatement un PC et de venir mettre en échec. Attention, le petit bait qui pourra se mettre. Il va falloir nettoyer ce pit sérieusement. Apex qui se poursuit, Apex qui tombe. Heureusement, la vengeance est là. NBK qui prend l'élimination. On peut upgrade les armes. En tout cas, une arme. Et là, la rotation hein, qui se fait sentir côté Epsilon. On le voit, ils sont en train de revenir sur le A. Mais il y a de l'hésitation. On ne sait pas trop encore si ça va véritablement terminer ici. Mais le choix des Vitality semble être fait. Il me semble que Alex a dû entendre pas mal de bruit. Est-ce qu'on a encore une smoke pour traverser? Pas vraiment. Et du coup, le sniper qui va se faire un régal d'éliminer NBK. NBK qui s'empale. Crucial qui en profite. Il ne reste maintenant plus que Alex avec 21 points de vie. Repéré sur le middle. Il n'a pas la bombe entre les mains. Il est un petit peu coincé avec 20 secondes. Il faudrait qu'il arrive à garder cet AK-47. Il fait une autre élimination. Est-ce qu'il va pouvoir garder son arme jusqu'au bout? Attention, puisque là, Crucial a bien la ligne. Est-ce que c'était utile d'aller chercher? Je suis pas certain en tout cas. Les Epsilon réagissent parfaitement. Mais là clairement il manquait une smoke ou deux pour pouvoir faire quelque chose sur ce round. On en a dépensé hein, sur la longue, on l'a vu quand ils l'ont prise. Pour mettre un mur de smoke qui sépare le pit du reste. Vraiment été problématique. Il va falloir se reprendre immédiatement sur ce force achat avec deux rifles investis, les autres seront au pistol. Des joueurs Epsilon pour l'instant pas très incisifs, hein, qui ont un style de jeu plutôt, plutôt passif, pas d'agression. Sur la short ni sur la longue, pour l'instant il reste juste en place. On est en train d'avancer sur la short hein, pour les Vitality justement, en tout cas de venir déposer un joueur. C'est Apex qui est positionné sur cette zone, la flash pour le middle peut être intéressant. Attention aux joueurs contact, c'est Kito avec le FAMAS qui va entendre beaucoup d'activité sur sa zone, surtout ça peut aider. Et on va déclencher sur ce immédiatement, on met en place tout le stuff nécessaire. Zio qui met ses flashs pour permettre à ses coéquipiers d'aller sortir et d'aller déclencher sur ce BP. Crucial qui les accueille, Crucial premier kill, Crucial qui les casse sur Zio, il prend encore une élimination, la troisième ne viendra pas pour lui. On reste en 3 contre 3 avec le BP qui est en possession des joueurs français. C'est plutôt la bonne nouvelle, on devrait pouvoir aller planter la bombe. Alex avec le sniper sur la longue, ça revient très vite, mais les vigilants sur ce Real. Maintenant une supériorité numérique à gérer. Broky qui est un petit peu loin. Le Bulgare qui est bien placé sur le spawn CT. C'est NBK qui devrait prendre le assez facilement sans problème. Il se retourne, le dernier joueur au niveau de la short, c'est Broky. Qui lui va aller garder un FAMAS seulement. Rien faire de plus broqué sur ce round à part garder le FAMAS jusqu'au bout. De force achat cette fois-ci du côté de Epsilon. Ce sera pas vraiment confortable. Hein. 4 deagles, un FAMAS assez limité. Mais attention, le combat sur la longue, là ça peut être intéressant. Il y a beaucoup de monde du côté des CT, mais ça se fait emballer. Apex qui trouve le double kill. Même s'il lui reste plus beaucoup de HP, il est toujours en vie. Ah, malheureusement, ça n'a pas forcément été suffisamment appuyé pour les Epsilon. Il y a peut-être mieux à aller chercher au bout de cette défense de la longue. Essaye de compenser par la short, le timing peut-être, NBK vigilant sur le mid, est-ce qu'il va voir l'avancée sur la short, c'est en train de le décaler ligne par ligne. Oh, ils sont repérés maintenant, c'est sûr, avec le coup qui a été atterri par Broky, ça va confirmer avec le kill. On a entendu qu'il y avait deux joueurs sur cette zone, la bombe devrait pouvoir aller se rediriger en B un petit peu plus librement. Le choix qui est fait et assumé maintenant. On va garder hein, toutes les zones autour du A pour empêcher...
d'avoir un échappatoire pour les Epsilon et au besoin même d'aller chercher un petit peu le FAMAS qui a été gardé pour partir à la chasse ensuite. On sait pertinemment que les deux derniers joueurs sont ici, même si on est quand même vigilant pour Duo. Pas naïf jusqu'au bout. En direction de cette longue, est-ce qu'on va vouloir aller plus loin pour Surréal notamment? Il y a un joueur qui avait yo grincé Apex, attention de ne pas donner cet AK-47, il a que 13 petits points de vie, mais il a une AK face au digueux Surréal. Wow, ça part vite dans le corps, et heureusement il y a un joueur qui vient le couvrir, pas d'AK sauvegardé pour le joueur Epsilon, et pas d'arme du tout sauvegardée. On était vigilant côté Alex, ça permet de marquer ce quatrième point, de mettre toujours un coup encore plus dur dans l'économie Epsilon. On voit 3 000 $ maximum pour Spellan. Et ce sera un 0 $ investi. Hein. Rien du tout. Pas une flash, pas un pistol. Et on semble se diriger rapidement vers le B pour essayer de venir prendre ce BP. On arrive dans un second temps pour les Epsilon. Ouh, les timings. Ah, on a vu l'information là sur Real qui donne quelques coups d'épaule pour essayer de faire baisser les points de vie. Attention de ne pas faire empaler par les USP. On commence à se rendre compte qu'il y en a beaucoup. Il va falloir venir aider. MBK qui est vigilant. Ne pas se faire enfermer dans le couloir. Puisqu'avec les USP, si tout le monde se parle en même temps, ça peut faire un massacre. Là, il va falloir peut-être battre en retraite. Ils l'ont compris. Mais malheureusement, ils vont offrir une arme aux joueurs Epsilon. L'avantage, c'est qu'ils se sont rendus compte du stack suffisamment tôt avant que l'erreur soit faite. La bombe sera amorcée quoi qu'il arrive, on est vigilant tout de même. De retour, on devrait avoir Brocky qui reste en place pour essayer de garder cette arme. Les autres, ils ont absolument rien à perdre hein, côté Epsilon, donc on va les voir prendre des risques et ça va payer avec Spellan qui fait tomber Apex. On perd beaucoup d'armes côté Vitality. Et là, on peut avoir deux choix entre guillemets qui se proposent à eux. Est-ce qu'ils vont essayer d'aller faire tomber les joueurs Epsilon ou ils ont pris suffisamment de risques jusqu'ici et simplement garder les armes? On pourrait avoir ce choix. Et pour l'instant, le choix qui est fait, c'est de garder les armes, ne pas faire encore plus d'erreurs. On va pouvoir enfin repartir sur un round d'achat pour les Epsilon avec le sniper de Crucial, toujours aussi important. Très bon avec cette arme, le néerlandais, qui n'est pas forcément très connu et reconnu par le grand public, mais c'est vrai que pour avoir déjà vu quelques-unes de ces games, c'est quand même assez impressionnant. Attention là, sur cette zone, Crucial qui a le bon repère, qui n'est même pas atteint par la flash malheureusement. Et du coup, un kill gratuit pris sur Alex. On essaye de se précipiter pour Apex. Peut-être c'est voir si on avait une opportunité de faire la vengeance, mais il n'en a pas eu. Et je vous en parlais, Crucial, efficace. Apex là, travers smoke, il y a Kito qui est en train de revenir ligne par ligne. Ça se joue de timing. Ah, pas grand chose, mais il arrive à garder la vie sauf pour l'instant. C'est sur le B que ça va se décider. RPK première ligne. On envoie le tank pour faire la différence. Une flash peut-être pour venir aveugler Spellan et venir décaler dans cette zone. On arrive à la contrer facilement. Ça déborde et oui, ça s'aligne pour Spellan. La tête est enlevée. La deuxième flash, c'est la flash de son coéquipier qui va l'aveugler, mais pas de problème. Les joueurs Epsilon gardent la tête froide. Il ne reste plus que Zivo. Petite hache dans les pieds sera suffisante pour venir l'éliminer. Et en plus, on peut récupérer le sniper et partir sur deux snipers pour Epsilon. Et c'est Brocky qui prend le deuxième AWP. Avec une pause qui nous est proposée peut-être côté Vitality. On sent peut-être que ce round n'a pas été exécuté comme ça l'était prévu. Avec un joueur qui perd la vie très rapidement sur la short. Un petit peu dommage, on doit se poser des questions, pourquoi est-ce qu'il n'était pas blanc? Maintenant on se rend compte qu'il y avait un sniper dans cette zone. Peut-être d'autres façons de jouer à se mettre en place ici.
Et on peut encore racheter pour Vitality, Sniper pour Zio, Rifle pour NBK, RPK et Alex, et Apex qui aura l'UMP45. On va voir comment est-ce qu'ils vont gérer cet achat. Ils ont quand même pas mal d'utilitaires, c'est la bonne nouvelle. Ils pourront s'appuyer là-dessus, hein, surtout qu'on sait les zones, notamment comme la longue ou la short, nécessitent quand même pas mal d'utilitaires pour faire une belle prise. Là, c'est pas le même niveau que Unicorns of Love hier. C'était compliqué pour eux, les Allemands, hier face à Vitality. Ils s'étaient relativement baladés, qui avaient gagné 16-4 sur D2. Là, il y a clairement un petit peu plus d'opposition. Oh, heureusement, Zivo n'a pas craqué sur le premier coup d'épaule, mais après, punition immédiate sur Kito. On fait un kill sur le joueur qui joue au centre de la carte. Ça permet vraiment de séparer la défense en deux. Ça, c'est plutôt intéressant. On va pouvoir, si on finit tous groupés sur un BP, finir à 5 contre 2. Il y a vraiment de quoi faire. Il va falloir faire les choses proprement. Là, on va y aller. Attention, la smoke est mise. On va quand même tenter de la traverser pour essayer de faire la différence. La flash pour venir passer au spawn, c'était venir refermer sur le bon site. Crucial. Cette fois-ci sera inoffensif. Le petit trou dans la smoke. Ça touche beaucoup. Mais ça ne prend pas l'élimination. Attention de revenir NBK. Même s'il tombe, il prend l'information et va pouvoir se mettre en place pour venir défendre la bombe qui vient d'être plantée. RPK qui reprend la zone. Et ça va être bien effectué. Attention, le second duel qui est en train de se passer sur la short. Il est venu se mettre à l'abri sur Réa. Lui aussi est maintenant repéré sur son positionnement. Attendu par Zivo qui se rate. Attention. Une fois oui, mais deux fois non. Il assure le coup sur le second tir d'AWAP. On a deux AWAP maintenant. Est-ce qu'on va les garder jusqu'au bout? Non, hein. Apex qui va repasser sur Log. On va pouvoir marquer 6e point. On empêche les armes d'être sauvegardées au cas où sur un petit timing. Sur l'explosion de la bombe, ça peut partir un peu dans tous les sens. Ok, qui va garder son AWAP pour la suite. Les Vitality qui reviennent dedans immédiatement. Avec une pause qui nous est proposée. Temps de prendre la réflexion, de trouver des solutions côté Epsilon. À repartir dans quelques instants. Avec toujours ce setup double sniper. Crucial. Comme d'habitude, ça a juste pas fonctionné sur le dernier round. Il va falloir se réadapter. Et de nouveau, hein, comme depuis le début, on a des Vitality qui sont plutôt lents, entre guillemets. En tout cas, pas de prise de zone rapide. On peut avoir ça hein, sur des deux, notamment sur la longue, des joueurs qui se précipitent sur cette zone en profitant de son spawn ou avec les stuff des coéquipiers. Mais là, c'est assez contrôle dans un premier temps et ensuite les prises de zone. Cette fois-ci, on va jouer la short assez avancée. La Surreal peut-être qui a compris que cette zone est un petit peu faible depuis le début. On a eu beaucoup de finish depuis cette zone. Et là, on essaie de réagir en prenant totalement la zone. Ça retarde fortement les Vitality qui vont être un petit peu enfermés ensuite par la suite. Là, Brocky peut-être qu'il va être tenté de revenir assez rapidement vers le A. Sur la bonne reprise, il a repéré le joueur, il va faire une première élimination. La deuxième, ce sera vengé de la part de Zivo, mais il ne reste plus que 30 secondes maintenant. Il va falloir se précipiter sur un finish. On change de plan pour les Vitality. Réorientation immédiate vers le BPB. Alex qui s'occupe de fake un minimum sur le A, histoire de fixer quelques défenseurs sur cette zone. Et on va terminer tous ensemble par le tunnel. Attention de ne pas se faire aligner, heureusement. Il y a Zivo qui vise. Attention sur la gauche, il y a Spellan encore. Personne n'a checké sa position. Il est seul, il va avoir le round. Pour lui, il est tellement bien placé. Il n'agit pas du tout pour l'instant. Il va attendre peut-être que le joueur pose la bombe. Le premier joueur qui est éliminé. Le deuxième, il continue.
mais n'aura pas empêché que la bombe soit plantée. Heureusement, il n'en fait que deux. Les Vitality peuvent souffler. Maintenant, gérer ce 2v2 qui est à venir avec Crucial et Kito en train de revenir sur la pente B. Le contre-stuff pour venir les empocher. Et encore une flash sur Ziwo. Attention, ça va sortir sur la fenêtre bien groupée à venir. Ça va aller passer. Et ça va être rapidement géré avec RPK qui prend le double kill. Bien vigilant sur la sortie de la pente B. Heureusement, on a su réagir après ce positionnement très intéressant de Spellan. On s'attendait pas à ce qu'il y ait un deuxième joueur sur le B. On pensait que l'activité short a justement amené beaucoup de joueurs sur cette zone, mais au final, ça a été bien géré. Oh, NBK ! Les pré-fire sur Brocky. Ça part dans la tête. Comme quoi sauter hein, entre les portes du mythe, parfois, c'est pas forcément une bonne idée. Super bâche là dans les pieds de Kito. Après, ce n'est que de l'écho, ça n'a pas forcément un impact énorme, mais ça fait toujours les belles images. Pour Vitality. Là on est rigoureux, on voit là, la double mollo sur la voiture. Des flashs pour venir décaler, hein, peut-être même une smoke dans un second temps, on sait qu'on a repéré un joueur. Le Krieg pour NBK, c'est efficace comme à son habitude. 5v2, ce round qui se déroule sans accroche pour l'instant. Ça se passe très bien pour les Vitality. Qui sont confortablement installés avec le 8ème point qui leur arrivera. L'économie des Epsilon toujours dans le dur. Que je pèle un petit Zeus qui n'a pas pu rentabiliser. Il l'aura pour la suite peut-être pour vous proposer une petite action sympathique. Un Crucial qui attendait, tenter de prendre le timing sur la short pour espérer avoir un joueur qui était en train de partir, mais finalement il n'aura rien. À 2, on est bien pour l'instant, il n'y a pas de problème pour les Vitality, tout se passe pour le mieux. Mais il va y avoir un round de l'achat en face et on lâche la voix pour Crucial. Ce sera pour Spellan cette fois-ci, petite activité sur la longue, comme d'habitude les Vitality qui ne s'en occupent pas, qui restent reculés, qui vont les laisser se mettre dans cette zone et le pari long pour l'instant qui ne sera pas efficace. Dans le même temps, les Vitality ne vont pas forcément profiter hein, de ça pour pouvoir accélérer sur une autre zone, même si on prend la short, mais c'est un petit peu la routine depuis le début de la map. Ça va partir sur la double flash, sûrement pour retour en B avec la pile NBK par le tunnel. On accélère sur cette pente B. Un seul joueur sur le BP, c'est Spellan avec le sniper. Autant dire qu'il est en très mauvaise posture. Mais d'après, il va prendre un kill. Oh, le deuxième pour Spellan. Il a le retour de ses coéquipiers par le spawn. C'était pour faire la différence. Pourquoi il saute, je ne sais pas. Mais il se fait accrocher au buff. Avec peut-être pour venir gérer ce round. Élimination couvert par NBK. On s'en sort superbement bien pour les Vitality. Apex pour venir chercher la dernière élimination. On n'est pas passé loin de la catastrophe. On était en train de se faire empaler sur le bomb site par le sniper. Mais on a superbement bien réagi. Avec un Apex en folie sur ce round pour venir chercher le sniper. Ensuite les deux qui push au spawn CT directement punis. On est peut-être allé un petit peu plus vite que la musique là pour Epsilon. Il y avait mieux à faire. Une fois qu'ils avaient laissé passer dans la pente, c'était sûr qu'on allait atteindre à cette zone. Le petit push en B qui ne donnera rien pour les CT. La couverture de NBK. Et demain, est-ce que le deuxième va tenter la décale? On ne le verra pas, en tout cas pas pour l'instant. Les
Cavillan. Ouh, il sait qu'il est enfermé là. Il veut prendre l'élimination. Attention hein, tout de même. Ça reste un eagle. Un petit headshot, ça part vite. Et Crucial va nous le prouver. On a un joueur qui se précipite. C'est Alex pour aller justement défendre cette arme qui n'a pas encore été récupérée. La bonne ligne cassée pour Alex. Vigilant pour venir éliminer le néerlandais. Il n'a forcément plus grand chose à garder pour l'Epsilon. Kito qui espère que ça vienne sur sa position pour pourquoi pas essayer de faire tomber des armes, mais il ne va pas prendre de risque. À 2. Quand on regarde les rounds, parfois on se dit que ça peut être un petit peu serré comme rencontre. Mais quand on regarde le score, c'est vraiment autre chose. Il manque un petit truc pour Epsilon pour faire la différence. On a du mal à venir finir ces rounds. Surtout que côté Vitality, on arrive particulièrement bien à le faire. Du coup, au final, eh bien, le match n'est pas vraiment serré pour l'instant. Et Vitality domine largement avec là un round assez intéressant. Double sniper, mais Zivo qui en choisit que ça tourne dans l'autre sens. Qui va directement supprimer un rifle. Le bon kill sur le middle. Petit but à venir. Oh, on voit des têtes dépassées. Apex, non, ce sera pas rentabilisé. Hein. On va toucher un tout petit peu Crucial à travers. On a mis le setup adapté d'un côté comme de l'autre pour essayer de venir surprendre les adversaires. Kito reprise d'information, bien effectué. Log avec le scope sur NBK. On repart sur un 4 contre 4 maintenant entre les deux équipes. On est bien disposé sur toute la map pour les Vitality, même si on les voit partir au spawn Terro pour venir s'orienter vers le A. Toujours une défense équilibrée de 1 à 2 en B. Attention là, Crucial qui a la bonne ligne. Et oui, pas vraiment vigilant Alex jusqu'au bout. Ils doutaient pas que ça allait revenir tellement en contact avec le sniper. Il va falloir maintenant terminer en infériorité numérique. Même si sur le A on sera en supériorité numérique, mais sur des lignes aussi longues, on se fait surprendre encore une fois. Le scope de la WAP, le scope ensuite du sniper, oh là là. Zivo qui attendait que ça remonte. Il y a encore un espoir, mais il n'y a plus que 30 secondes maintenant. Ils ont un petit peu d'utilitaire pour essayer de faire la différence. Les doubles smokes pour pouvoir passer au spawn CT. Et ça va revenir pour se booster sur le BP, sur une flash. Peut-être pour aller chercher plus loin pour sur réel. Pour l'instant non, mais 16 secondes, il va falloir être ultra efficace sur le BP sous peine de se faire sanctionner. On est en train d'avancer en slow sur le BP. Pour les Vitality, en train de revenir en attendant la fin. Sur réel sur le BP qui a vu un joueur, il va l'éliminer. RPK qui n'a plus que 4 secondes pour planter. Il est obligé de tenir jusqu'au bout. Mais Crucial va venir le sanctionner. C'est dommage là pour les Vitality. Beaucoup d'erreurs sur ce round. Et il fallait bien ça pour permettre au Epsilon de marquer un point supplémentaire. On a vu un d'abord Alex sur la short, un petit peu naïf sur le positionnement de Crucial. Qui se fait surprendre en repartant tranquillement en slow. Et ensuite on va décaler des lignes qui sont pas forcément couvertes et on se fait surprendre. Superbe smoke qui permet de passer en sécurité sur le mid. Vous pouvez voir avec Brocky qui prend les dégâts. Alors je sais pas si c'était sa smoke, mais en tout cas il pourrait peut-être en vouloir pour l'adversaire. Attention le spray là, Zivo vient se proposer à Surreal. On commence à surjouer un petit peu là. On a Apex là sur le terrain, sur le middle. Il faut s'appliquer pour prendre l'élimination, c'est fait. On va peut-être pouvoir accélérer sur ce B, en tout cas essayer de faire croire à ce retour en B. Attention tout de même, puisque sur la short, on a des joueurs Epsilon très avancés qui pourraient venir intercepter une rotation Vitality si jamais on venait à repartir par cette zone. C'est le cas, ça tente, un premier qui tombe, il y a une deuxième ligne, il y a Crucial qui est en place. Ah, là il est repéré, il a tiré à côté malheureusement, il pourra rien faire à part repartir en arrière. Et ça va donner le signal pour les Vitality de partir sur ce B. Crucial, très mobile, qui viendra intercepter un joueur. Le full tunnel pour venir terminer. Encore un sniper, Brocky qui prend un premier joueur, il a le temps de se replacer. Il va se faire éliminer, il manque du stuff aux Vitality, ils n'en ont plus beaucoup. Et on est obligé de perdre des joueurs à chaque fois. Est-ce qu'on va pouvoir planter la bombe tranquillement pour RPK? Ça va être le cas, la flash pour venir sortir. Non, c'était une hache pour faire des dégâts, pas très efficace.
reprise. 2v2, les deux joueurs sont sur le BP, RPK pour le tunnel. NBK pour gérer la fenêtre et la porte, crucial, prend la première élimination, on a repéré NBK et c'est trop compliqué à gérer face à deux adversaires dans quasiment la même zone. On a Surreal qui va s'en sortir avec 4 petits points de vie, mais qui s'en sort quand même avec le quatrième point des Epsilon. Qui vont bien marquer des précieux points pour le second side, hein, pour repartir après en attaque. Terminer sur un 10-5, ce serait vraiment intéressant pour eux. Pas à chaque fois pour Zero, malheureusement, ça touche pas tout le temps. Faut terminer ce side sur une bonne note pour les Vitality, c'est important. Parce qu'après Epsilon, ça pourrait vite remonter un petit peu le moral. Crucial qui continue. Ah, dommage, là pour Vitality, on vient se sacrifier un petit peu. Plus que 3, à 1-17 de la fin, on a la prison qui s'effectue à 2. Ride à long. Ça révèle un petit peu des positions, on le voit sur le BP, les CT qui sont en train de venir, Broky pour venir resserrer sur ce mid, où il y a RPK un petit peu en coupe, on fait confiance à NBK et Zivo pour venir ouvrir ce BPA, mais il y a beaucoup de CT en réception, déjà 2 sur le BP, 1 sur la short, 1 on spawn CT, 35 secondes, on n'a plus beaucoup de temps si on veut réorienter, c'est déjà même fini pour repartir en B, Crucial il voit quelque chose, il arrive à s'appliquer pour prendre le kill sur NBK, laissant maintenant les deux derniers Vitality faire la différence, RPK et Zivo essaie de faire le travail, oh, RPK qui prend la bonne information, il va peut-être pouvoir libérer ce round, on n'a plus personne sur le A, juste sur la short, c'est en train de revenir, attention RPK dans le dos, ça va être sur sa position, la formation est prise, il a les deux joueurs, 10 secondes, faut passer sur le BP, Zivo le sait, les deux derniers joueurs. Et Théo spawn CT sur le B. Maintenant à lui de régaler de ses clutches qu'il sait faire. Il nous l'a déjà prouvé. Maintenant 1v2. La bonne initiative sur la longue. C'est sanctionné de la part de Zivo. 1v1. Maintenant offert. Spellan contre Zivo. Le contact au niveau du spawn CT. Il n'a pas encore vraiment d'informations. Zivo il doit absolument tenir. Gagner un maximum de temps pour empêcher Spellan de faire le round et d'aller chercher le 10-5. C'est repéré Zivo. Le coup d'Awa pour aller chercher le clutch. Le round était extrêmement mal engagé, mais au final ça ne pose pas de problème quand il y a un Zivo qui traîne dans l'équipe, tous les rounds sont facilités peut-être parfois, en tout cas quand c'est clutch c'est superbement bien effectué. 11-4 entre les deux équipes au changement de side, on a eu des Vitality vraiment dominateurs sur le début de la map, menant environ 10-2 si je dis pas de bêtises, jusqu'à 10-2, une petite baisse de régime en fin de side, mais au final ça change pas grand chose. 11-4, ils sont largement en tête, ils vont passer sur le side CT, peut-être un petit peu moins fort que celui d'attaque. On va pouvoir suivre ça ensemble sur ce side pour voir un petit peu comment est-ce qu'ils vont tenir. Est-ce que ce sera un 16-4 ou est-ce que ça va relancer un petit peu entre les deux équipes? On va commencer rapidement avec au pistol Apex qui aura deux flashs et un kick. Les autres seront avec le Kevlar. Et pas d'agression pour l'instant. On reste en place. On sait que notamment Alex hein, avait une facilité à venir agresser le middle sur les pistoles sur D2 en CT. Et cette fois-ci, ça ne sera pas le cas. On a les Epsilon qui font travail activité B avec les pas hein, qui sont largement entendus par Zivo, mais retour en A. C'est quasiment le pistol de Vitality qu'on a vu hier sur D2 d'ailleurs. C'est à peu près le même système. On court en B, on revient en A. Ça peut être une bonne idée de la débarquer à 5. Petit run boost en plus pour sauter les lignes et ça va déclencher immédiatement. Réception RPK, mort. Un troisième pour lui, ça ne s'arrête pas. Alex qui prend le relais, il n'y a plus que Surreal avec le P250, c'est fait. Une première animation, ça décale, petite balle par petite balle pour essayer de prendre l'animation. Deux joueurs, oh Surreal à longue distance. Mais ça ne sera pas suffisant, il y avait encore Apex pour venir le gêner. 12-4, un autre pistol pour les Vitality.
qui après un major quasiment sans pistol round inscrit se reprennent. C'est mille et deux fois. C'est bien effectué, ça permet de prendre encore plus d'avance. Pour eux, un round intéressant forcément, puisque de l'autre côté, les psylons sont quasi économie. On a juste du stuff, on y retourne ensuite. La longue est préservée, on va venir défendre le reste maintenant. Retour sur la short, comme précédemment. Est-ce qu'on va tenter de ressortir de la même façon pour les Epsilon? Ça a l'air de se destiner à cela pour l'instant. Tous groupés pour essayer de surprendre. Il y a trois joueurs hein, qui sont vigilants et qui vont... pouvoir les accueillir, exactement le même run boost, une HE parfaitement timée pour venir prendre le dessus. Zio déjà 4 kills, que Zio aura l'ace? La réponse est oui, après qu'un petit coup du SP pour terminer. Ace pour Zio, je crois qu'il en a déjà fait un hier. Bon bah, ça va très vite pour lui. Hein. On soigne les stats, on soigne l'ADR. Tout va bien. Côté Vitality 13 à 4, maintenant round armé, round bonus entre guillemets pour les Vitality, forcément avec des armes un petit peu moins puissantes que les AK-47, des joueurs Epsilon qui vont se précipiter sur cette longue, avec Broky en première ligne, attention c'est déjà passé pour RPK, il veut revenir, mais le choix de la sagesse peut-être qui va se faire, Broky qui tente de dépasser un petit peu, ou il prend un petit coup, et RPK qui va se faire intercepter en cours de replacement sur le BPA. On perd un joueur immédiatement dans les premières secondes, bien géré de la part de Epsilon ce retour... C'est aller plutôt que ce retour sur la longue. Ça permet vraiment de prendre une zone très rapidement. Pas encore de choix fait pour Epsilon, on a assez reculé là, Alex qui a ligne pas forcément efficace avec l'UMP, il va falloir vraiment la rentabiliser, ça va être compliqué d'enchaîner, quelques prises d'infos seulement pour essayer de faire la différence, là il a vu beaucoup de choses avec Alex sur le BP pour essayer de s'en sortir, attention interception, on est en train de mettre les flashs pour pouvoir réagir et empêcher la finition sur ce BP, Zivo qui arrive à intervenir, c'est Alex qui prend les miracles, Alex qui sort, ça nous donnera seulement un pour un, toujours la supériorité pour l'attaque et les AK-47 qui sont supérieurs, surtout celle de Broky, est-ce qu'on sait qu'il y a Zivo au contact, il va se douter de l'arrière en bordure de smoke, il va faire tomber, c'est la bombe, mais il y avait Kito dans le dos, bien positionné pour venir le chercher et venir intercepter le dernier joueur Vitality, hein, Vitality en vie. Et ce round bonus, comme je vous le disais, qui ne passe pas pour les Français. Sur le force achat avec une autre même sur Zivon, on repart exactement sur le même système, hein. RPK qui accompagne cette fois-ci par Alex dans cette zone où il prend de lourds dégâts avec son P250, est-ce qu'il aura le tarif habituel, pas cette fois-ci, pas d'élimination pour lui, mais est-ce qu'on va être au courant côté Epsilon qu'il y a un joueur dans le pit, je ne crois pas. Zivo est en train de bait, Apex fait un kill de l'autre côté de la map, on est tellement bien placé mais on est obligé, on va aller checker quand même, allez. Pas naïf les joueurs Epsilon, ça aurait pu les faire un petit peu tourner la tête, avoir ce kill depuis le BP avec la WAP, être un petit peu plus naïf sur le beat, tout simplement, ça fait sur la sortie, sur sa zone qui a été cherchée vraiment loin, les flashs pour venir, Apex qui continue de toucher, n'arrive pas à faire les éliminations, la K47 aura raison de lui, il aura fait deux gros dégâts mais pas d'élimination plus que ça, il en fait seulement une sur sa position. La tête qui saute, une balle d'encore suffit mais... il est précis, soigner les headshots sur Real qui n'a pas encore récupéré la bombe et je ne suis même pas sûr qu'il pourra le faire immédiatement. Il se doute hein, que la bombe est de l'autre côté de la smoke, il doit être prudent pour ne pas tomber et venir offrir encore un round au Vitality, ça serait catastrophique pour eux. La bonne ligne pour NBK,
qui va pouvoir récupérer la K47. 14 à 5. Pas d'argent pour les Epsilon. Ça sent la fin, je crois, pour l'équipe européenne. Ça va être compliqué là sur ce force achat. Ils n'ont pas le choix. S'ils n'arrivent pas à mettre ce round, ce serait quasiment impossible de s'en sortir. Ils vont tenter tout de même hein, avec les utilitaires qu'ils ont, les pistoles. Ils vont passer sur la longue dans un premier temps. Reprise de zone pour le duo de cette longue A avec Alex accompagné par RPK. RPK qui prend la bonne image, qui continue. RPK le triple kill, juste le temps de tout sur l'USP. Il continue le quatrième. Encore un ace dans cette rencontre, peut-être à nous proposer. Il a remarqué la bombe forcément et du coup il va rester dans cette zone pour essayer de prendre le dessus sur le dernier Epsilon en vie crucial. Il y va, RPK le tank pour aller chercher le dernier kill. Il est au HP mais c'est pas un problème. RPK quintuplé pour venir chercher le 15e point avec un round de match maintenant. Au bout de la prochaine minute 55 du prochain round. Le travail était parfait cette fois-ci sur cette longue. Quand RPK est accompagné, ça se passe mieux. Tout seul, c'est compliqué à gérer, mais dès qu'il y a un joueur pour venir un petit peu l'accompagner dans le stuff, dans les dégâts au HE, c'est forcément beaucoup plus facile à gérer. Si vous voulez la très bonne ligne sur Kito là, qui vient se proposer, j'ai l'impression qu'on a déjà pris un petit, petit peu craqué sur la fin de rencontre, même si Broky a réagi suffisamment bien. Oh, on rate des tirs pour Zilou, comme quoi. Il arrive même à passer sur le BP. Crucial peut-être avec le Deagle. Il prend le temps de s'appliquer. C'est un petit peu un spray. Mais ça passe pour lui. On a pris l'avantage à 3 contre 2. On a récupéré les armes. Attention, ne pas venir se sacrifier ce round pour les Vitality. On tombe les uns après les autres. Il n'y a plus que NBK pour défendre ce BP. Il est sur la pente. Ça pourrait bien fonctionner s'il arrive à enchaîner sur les deux. Mais il ne pourra même pas prendre le premier. Et on va perdre ce round un petit peu surprenamment pour les Vitality. Les Epsilon qui ont un peu lâché la bride, qui sont allés un peu tout droit, chercher le skill, essayer d'aller chercher des grosses lignes. Et c'est passé tout simplement. Obligé de passer par petit achat pistole et à passe de P250 pour la défense. Une seule flash sur Zio. Et pour l'instant, on veut faire le pari en A alors que ça avance tranquillement sur le B. Les joueurs Epsilon qui ne devraient pas avoir de problème pour passer sur celui-ci. On est hors timing pour les Vitality. Des bonnes coupes de la part de Kito ou beaucoup de monde face à lui là, faut être vigilant, heureusement il est crucial pour venir l'aider. Un joueur retombé. Crucial lui sera suffisamment solide pour s'en sortir. On va essayer de défendre l'arme qui est tombée pour ne pas permettre à Apex de la récupérer. Peut-être même pour permettre à Shpelan d'aller chercher une AK-47. Il me semble que c'était ça qui était au sol. Le faire tomber, ce sera pour Shpelan entre les deux. À 7, toujours l'avantage pour les Vitality, retour à l'achat cette fois-ci pour eux avec un double sniper, NBK d'un côté, Zivo de l'autre. Prise de longue rapide pour les joueurs Epsilon qui vont venir se battre. On essaye de répondre là aussi pour NBK notamment. C'est passé, il a vu un joueur, n'arrive pas à réagir. Alex en prend un seul pour l'instant. Il reste en place, il a fait tomber la bombe. Il va essayer de se battre là-dessus. NBK qui tire aussi un petit peu quelques balles pour essayer d'avoir un petit peu de réussite, même si c'est pas confirmé pour l'instant. Et Alex qui va sûrement jouer la bombe jusqu'au bout. Dans la seconde, ça dépasse. Alex arrive à réagir, mais pas suffisamment rapidement pour venir chercher le deuxième. Et on va rester maintenant en infériorité numérique. Mais c'était sans compter sur Zibo qui va réagir. Pour offrir maintenant un 2 contre 2, la bombe qui n'est pas encore clairement récupérée.
Et là, c'est Zero qui se fait surprendre. Apex a beaucoup d'informations. Attention de ne pas hésiter trop tôt. Il va encore sûrement voir la bombe, essayer de se proposer. Broky à la décale. Attention, on se repère d'un côté comme de l'autre. Steph en main, il est obligé d'activer Apex parce que ça va venir l'entourer. Et il va craquer face à Broky directement avec ce point supplémentaire. Encore une fois pour les Epsilon. Ça va très vite et ça remonte petit à petit. Ils n'ont pas craqué l'équipe européenne. Et on repart une nouvelle fois sur cette longue. Cette fois-ci côté Vitality, il n'y a pas vraiment de stuff nécessaire à part une flash pour répondre, c'est parfaitement bien exécuté. Moins 2 à l'USP pour Zivou, il est toujours en vie dans le pit. Mais la bombe qui est pas encore révélée, forcément on aura le temps de venir sur le B si besoin est. Et pourquoi pas sur ce round, même si on a Kito en train de revenir décaler ligne par ligne pour venir chercher Zivo qui reste à l'abri. Là, il le sait qu'il va se faire décaler Zivo. Il va faire quelques dégâts à travers la smoke NBK je crois, non? Je pense bien que oui, qu'il a juste spammé et que c'est passé quelques balles qui a été déjà été amorcées par, par Zivo. On a pris le BPB pour surréal, mais alors attention, le temps que revienne son coéquipier. Est-ce qu'on va être suffisamment patient? Oh, c'est bien senti ça pour les joueurs Vitality. Est-ce qu'on va être au courant qu'il y a un joueur là-bas? Eh oui, ils l'ont vu, ils l'ont sûrement remarqué que c'était la bombe. Attention, on est dans la ligne! Et du coup, le sniper qui va payer. Maintenant, c'est à Alex de faire la différence. Alex depuis la zone au niveau des escaliers pour essayer peut-être de tenir le coup de CZ. Bien affûté pour Crucial. Tout repose sur Apex qui arrive depuis la fenêtre. Face à la K47, c'est compliqué. Même s'il a plus beaucoup de HP, il est toujours en vie. Et ne pourra pas faire d'élimination supplémentaire. Ça passe à pas grand-chose, mais ça passe tout de même pour les Epsilon. Les Vitality qui avaient fait, qui ont fait un très bon round sur l'économie. Malheureusement on s'est un petit peu effondré dans ce tunnel. NBK qui se montre à la WAF, c'est dommage. Il y avait encore un petit peu de temps à gagner, ça aurait pu faire la différence. Si la longue ne sera pas jouée par l'attaque, ce sera plutôt nous que c'est en train de se mettre en place. Attention NBK peut-être, il va falloir être solide de la flash qui n'arrive pas. Et du coup il arrive à aligner et 1 et 2. 2 pour 1. À l'avantage des Vitality, c'est bien défendu pour lui. Son rôle de fixe est parfaitement bien rempli. Super, c'est étrange, mais bon pourquoi pas. Il en fait tomber 2 puis il s'effondre, c'est pas un problème. Par contre c'est surréal qui pose problème. On est mort, on n'a pas du tout checké derrière pour Alex. Ça ressemble à n'importe quoi à ce round, ça part dans tous les sens. Et pour l'instant, avantage aux joueurs Epsilon. 3 contre 2. RPK, Zivo, qui vont aller sauvegarder les armes. Pas de reprise. On va laisser ce round aller dans les poches de l'adversaire pour pouvoir garder un petit peu des armes pour la suite. Dommage pour les Vitality, il manque à chaque fois un petit quelque chose. NBK qui a fait son boulot hein, sur le BP en faisant un moins 2. Et c'est ensuite ça s'est un petit peu précipité. J'ai l'impression qu'on allait un petit peu trop vite peut-être pour les Vitality. Alex qui a voulu intervenir immédiatement dans le smoke. La coupe des Epsilon qui a été là aussi efficace. En plus de ça, on perd RPK. Il va falloir remettre les choses au clair peut-être. Avec quatrième round de suite perdu. C'est peut-être vu gagnant un peu trop tôt pour les Vitality. Il faut reprendre du poil de la bête pour se remettre dedans. Là ça va repartir sur un round je suppose de petit achat pistole. On va pas forcer même si Zivo a la WAP. On a moyen d'avoir quelques deagles avec un petit peu d'utilitaire pour pouvoir surprendre les Epsilon. Comme on a vu sur certains rounds au pistole. Même un scout sur NBK pour tenter de faire des dégâts, toujours intéressant. Et malheureusement on va perdre la WAP dans le mid immédiatement. Zivo qui tombe, c'est récupéré par Apex et Crucial qui a été vigilant. Oh NBK, qu'est-ce qu'il nous a fait dans le tunnel? On voit absolument rien passer.
On n'a rien vu, il ne reste maintenant plus que Crucial. Mais la GoTV, mais qu'est-ce qu'elle nous fait, la GoTV? On a peut-être raté un truc de ouf, mais on n'a rien vu. Génial. Bref, il ne reste plus que Crucial qui, lui, est content. Hein, il a fait son kill en début de round. Et il a été comme nous, hein, exactement dans la même situation que nous. Il a juste regardé le kill feed progresser et voir ses coéquipiers tomber les uns après les autres. 4v1, plus d'une minute à jouer. Ça va être compliqué en plus avec un sniper. La bombe est déjà repérée sur le B. Avoir les reins solides pour lui, la première ligne qui est tenue par Apex, et ce sera terminé. Victoire 16 à 10 pour les joueurs Vitality. Ils ont mis du temps, on va dire, pour confirmer la map, mais l'ont bien récupéré tout de même à la fin avec un round impressionnant de la part de NBK, même si on l'a pas vu. Les coups de scout qui sont partis très rapidement. Pour les Vitality, c'est terminé pour la première map, puisqu'il y en a encore deux après, contre Spirit dans un premier temps et contre Sprout. Donc restez bien avec nous, ce sera dans quelques instants. SRK me rejoindra au cours de la soirée pour pouvoir vous proposer ça. En attendant, n'hésitez pas bien sûr à suivre les réseaux sociaux, à suivre la chaîne pour ne pas rater ce qui suivra bien sûr dans la semaine. Il y a encore du Vitality toute la semaine, ce sera sur la chaîne de SRK à partir de demain en MDL. Une petite LAN française à Hello Nexen, castée ce week-end sur ma chaîne. Donc restez bien là. Et en attendant la suite des rencontres, vous pouvez taper dans le chat point d'exclamation bracket pour suivre le classement, ou alors point d'exclamation YouTube pour suivre ma chaîne YouTube avec une vidéo qui est sortie aujourd'hui, pour patienter entre les deux maps. On se retrouve très rapidement pour la suite après une toute petite pause. Restez bien avec nous. À tout de suite.